On vient de découvrir une exclusivité avec le poteau Ghost X93 qui vous permet d'avoir des auto-réanimations en illimité sur le mode zombie de MW3. En plus de ça, vous allez pouvoir avoir des gilets pare-balles en illimité, vous allez pouvoir avoir des grands sacs en illimité, des séries d'élimination, des bombes singes, des masques à gaz, tout ce que vous voulez, vous allez pouvoir les avoir en illimité. Pour réaliser ce glitch, c'est super simple. Vous avez juste à remplir votre sac à dos de tous les items que vous voulez dupliquer et ensuite vous vous rendez près d'un hélico de mission. Pas les hélicoptères d'exfiltration, mais les hélicoptères de mission avec une petite étoile. Ensuite, vous appelez l'hélicoptère, vous vous exfiltrez avec, et dès que l'hélico commence à s'envoler, là, vous fermez directement votre application. Ensuite, quand vous allez relancer votre jeu, vous allez voir que tous les items que vous aviez dans votre sac à dos vont être disponibles et vous allez carrément pouvoir les stocker dans votre stockage. Alors si maintenant vous êtes à la limite de votre stock, c'est pas grave, vous avez juste à échanger votre item contre n'importe quelle confection de schéma. En faisant ça, ça enverra directement votre item dans votre stockage et vous allez pouvoir dépasser la limite. Comme vous pouvez le voir sur le gameplay, j'ai 60 sur 10 de stockage. Donc je sais pas encore c'est quoi la limite, mais franchement je vais essayer de l'exploser. Et comme vous pouvez le voir dans mon stock, j'ai un grand sac, un mastodonte, deux auto-réanimations et un gilet pare-balles 3 plaques. Et ça, je vais essayer de les dupliquer en illimité, comme ça quand je lance une game, ben, je suis tranquille. Et dernière information pour tous ceux qui ont déjà glitché leur stockage et que quand vous vous exfiltrez, les items qui sont dans votre sac à dos disparaissent, et ben si vous faites cette technique, ça ne vous arrivera plus. Et genre moi j'étais bloqué à 10 cristals d'éther pur parce que je pouvais plus en extraire, à chaque fois ça disparaissait, et ben grâce à cette technique, je vais pouvoir avoir des cristaux, des outils d'éther, etc. en illimité. Alors comme d'habitude, si vous voulez partager ce glitch à votre communauté, n'oubliez surtout pas de nous mentionner.